Atayons alimabe Ngenyo sa Akobenga yon solo Ozonga epa ina ye Akobongo la yo Okoma posa Kaye nazali koluka Papa tena yesu Babunga kikala Yalo pango ya tata o kozonga Epayi na ye o kokota Nakatia lo pango Nous nous mettons debout De Télémy On va nous lire Luka Mokanda Luka Chapitre 24 Mokanda Tukumi Balena Mine Verset 6 Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Ah, nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Kende ki kota la ye Bape si sango ke yesu Se kwi Bapesi sango ke yeso Asepi Yesu asepi lelo Alelu, alelu Yesu asepi lelo Yesu asepi lelo Alelu, alelu Yesu asepi lelo Yesu asepi lelo Alelu, alelu 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 Alléluia Yesu asekwi lelo Alelu Alléluia Alléluia Yesu asekwi lelo Alelu Alléluia Alléluia Yesu mobika lelo Alelu Alléluia Alléluia Yesu mobika lelo Alelu Alléluia Alléluia Yesu mobika lelo Alelu Alléluia Alléluia Yesu asekwi lelo Alelu Alléluia Alléluia Mwana zambe asekwi lelo biso bande meto sepela Yesu asekwi Mwana zambe asekwi lelo biso bande meto sepela Yesu asekwi Mali ya kende kena lilita kutake masiyate Yesu asekwi Mekona nga gobanga temasiya na yo asi asekwe Yesu asekwe Oh, 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 Yesu asekwe lelo Alelu, alelu, Yesu asekwe lelo, aleluya Yesu asekwe lelo, alelu, alelu, Yesu asekwe lelo, aleluya Ah, Yesu asekwe lelo, alelu, alelu, Yesu asekwe lelo, aleluya
Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Ah, Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Alléluia. Ah, Yesu asekwilelo, alléluia, alléluia. Alléluia. Mwana Nzambe asekwilelo biso bandimi tosepela. Yesu asekwilelo. Eh, Mwana Nzambe asekwilelo biso bandimi tosepela. Yesu asekwilelo. Eh, mali yakendeki na lilita kutaki masia te. Yesu asekwilelo. Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Alleluia. Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Yesu asekwilelo, alleluia, alleluia. Alleluia. Yesu mubika lele, alleluia, alleluia. Alleluia. Yesu mubika lele, alleluia, alleluia. 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 Yesu asekwilelo. Alleluia. 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 Yesu asekwilelo. Alleluia. Alleluia. Yesu asekwilelo. 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 Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Alleluia. Yesu mubika lelo. Alleluia. Yesu asekwilelo. Alleluia. Alleluia. Yesu asekwilelo. 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 Amen, amen. Nous acclamons très fort pour le roi. Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Le Saint-Péternel. Le Saint-Péternel. S-E-M-P-I. Ternel comme éternel. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique. Pour
pour l'histoire de l'Église. Parce que c'est ce jour-là que l'humanité a été totalement rachetée du mal. Alléluia. Amen. Nous ne disons pas que Jésus est ressuscité aujourd'hui. Mais c'est une organisation de l'Église pour se souvenir qu'un jour il mourut pour nous. Et lui-même, il dit que faites ceci à ma mémoire. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, à l'époque où mourut Jésus, il n'y avait pas de date exacte. Les hommes se sont organisés pour situer un peu dans les temps. À quel moment précisément le Seigneur était tué et qu'il ressuscita. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe après avoir créé le monde? Le diable va en prendre le contrôle d'une manière telle que les enfants de Dieu n'avaient plus de pouvoir. Et comme l'homme s'était vendu par le péché, Dieu qui est dans les principes trouva le moyen de racheter l'homme. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas été racheté par des choses viles, mais nous avons été rachetés par le sang précieux et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, comment ce sang devait couler si le Seigneur ne mourait pas? Il va revêtir la chair humaine. Il va descendre sur la terre et il va entrer dans le corps d'une femme. C'est pourquoi je crois que la femme, c'est tout un ministère. Elle fabrique des enfants. Elle les nourrit avant que les enfants ne puissent manger ce qu'il y a dans ce monde. Je voulais que s'il y a une femme au milieu de nous, que Dieu la bénisse. S'il y a un homme dans cette église qui soutient la femme, que Dieu le bénisse également. Quand le Seigneur Jésus-Christ va naître, Dieu va provoquer sa mort. Donc Jésus n'a pas été tué, mais Dieu lui-même avait permis qu'il soit tué. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un que tu ne mourras que quand Dieu le voudra, et que tout ce que les hommes ont préparé contre toi échoue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur va venir dans ce monde, il n'avait fait aucun mal. La Bible le présente comme étant un homme qui ne faisait que du bien. On dit que Jésus était un homme de bien. Il allait de ville en ville. Il guérissait les malades. Mais les hommes trouvèrent qu'il n'y a que celui-là qu'il fallait tuer. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais dans tout ça, il y avait un plan de Dieu derrière. Dieu voulait que par la mort du Seigneur Jésus-Christ, que des multitudes soient sauvées. Je voulais que tu sois sauvé ce matin de la main de tes ennemis, sois sauvé ce matin de toute emprise satanique, parce que tu as été racheté. Je sais que le diable t'avait acheté
acheté. Mais ce matin, il y a le sang de rachat qui est en train de couler. Et ça, ce sang va te récupérer, va récupérer tout ce qui est à toi et qui a été pris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ faisait tous ses biens, il y a des gens qui ne l'aimaient pas et ils vont commencer à l'enquiquiner. Tout ce que Jésus faisait était contrôlé par les pharisiens et les sacrificateurs. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ va faire une déclaration. Il dit que moi je suis le Fils de Dieu. Et pour une déclaration, ils se fâchèrent. Et ils vont dire que nous avons trouvé l'occasion que nous cherchons. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la personne qui ne t'aime pas. Tout ce que tu fais pour elle, c'est mauvais. C'est pourquoi Sokomoni, papa Bovanda, n'a 20 ans. Si tu trouves que ton mari, avec qui vous avez passé 20 ans, 20 ans après, il te dit que tu ne sais pas préparer. Il faudra lui poser tout ça. Question. Qui t'envoie? Pose-lui cette question. Kaka biloko nde okoli nango. Pendant 20 ans, c'est 20 ans de carrière de mariage. Que tu es habitué à manger, mais comment? Si aujourd'hui que tu constates que je ne sais pas quand préparer, tu vois ça, ce que moni boye, c'est qu'il y a un problème. Il en est de même de papa. Lorsque tu vois ta propre épouse, tu lui poses la question. Maman, pourquoi tu es rentré après 19h? Au lieu de dire que tu vois avec les embouteillages, directement elle te dit sala tout ce que tu as envie de faire. Et, mais au répondre à la question, c'est parce que la question est que oye après 19h pour Nani. Donc Abimi même elle est hors sujet. Abimi ce que moni boye, si tu trouves kolobana no mingi témoana nangai nzamba peso moli mo komi kanga Dieu te donne l'esprit pousana pembe inaye avance tout près ce que koyoka solo à 21 si tu ne vas pas sentir l'odeur du vin ce que koyoki solo à 21 si tu sens l'odeur du vin hôtel na blouse naye ce que zana batache ya sauce ya ba restaurant te de la nourriture Makambaye bise na restaurant. C'est qu'on lui a dit dans une. Ne Makambaye azo répéter. Il est en train tout simplement de répéter ce qu'il vient d'entendre au restaurant. Donc si tu vois quelqu'un qui commence à te chercher des problèmes, il faut faire très attention, surtout quand tu es innocent. Sache que cette personne cherche autre chose. Donc tout ce que Jésus faisait, et il trouvait que c'était mauvais. Et seulement quand il dit une seule chose, je suis le Fils du Dieu vivant, il dit maintenant, ça y est. Mais vous avez oublié à qui vous avez affaire. Quand vous avez affaire à Jésus, ça ne se termine jamais. Vous pouvez croire que c'est fini, mais avec Jésus, ça ne se termine jamais. Ça peut s'arrêter, mais ça va reprendre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tout ce qui était arrêté dans ta vie reprendra au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ, devant toutes ces menaces, il va prendre ses apôtres, il va dire, accompagnez-moi, qu'on aille prier. La Bible dit que son âme s'attrista. Frère, si tu es spirituel, hein, quand quelque chose, un danger te guette, que Dieu te bénisse ma fille, tu le sens. Tu sens qu'il y a un problème. La Bible dit que Jésus fit à tristesse. Son âme était attristée. Mais il va dire aux apôtres qui accompagnaient moi dans la prière. Quand ils arrivèrent là-bas, tous dormirent. Il est supplié à trois reprises. Ils étaient fatigués. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse la fatigue spirituelle dans cette église. Au nom du Seigneur Jésus. La fatigue, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Dieu lui-même se reposa.
C'était un enseignement, lui il ne se fatigue jamais, mais il se reposa. C'est pour dire que tout homme de chair, il y a des moments où il se fatigue, mais il ne faut jamais se fatiguer spirituellement. C'est pourquoi la Bible déclare, priez sans cesse. Et comme les apôtres dormaient, l'ennemi va suivre Jésus jusqu'au lieu de prière. Lorsque dans une église, les apôtres dorment, on suivra les enfants de Dieu jusque même dans l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme les apôtres ne priaient pas, la Bible dit que Judas vint avec un groupe de gens ils étaient porteurs d'épée. Ils suivirent Jésus jusque là où ils s'étaient retirés pour la prière. Dans une église, lorsque les apôtres dorment, le diable viendra travailler dans l'église. C'est pourquoi je veux que tout le monde se réveille dans cette église. À partir de chez toi, sois réveillé. Cherche Dieu. À partir de ta prière, Dieu peut protéger toute l'église. Dieu peut bénir toute l'église à partir de ta prière. Regardez la paresse de Pierre et de ses amis. Provoque la mort du Seigneur. En réalité, les gens qui ont provoqué la mort de Jésus, ce n'est pas seulement Judas, c'est aussi Pierre avec ses deux amis. Les affaires ecclésiastiques sont essentiellement spirituelles. On ne les gère pas tellement de manière mécanique, mais il faut recourir à la grâce de Dieu. Pierre, Petelo, Jean et Jacques refusèrent de prier. On dit qu'ils roupillaient, ils dormaient. Pendant qu'on menaçait Jésus, ils dormaient. Ma sœur, mon frère, tel que je te parle, le diable est en train de chercher tes enfants. Ne dors pas. Le diable cherche ton mari. Ne dors pas. Réveille-toi pour combattre et avoir la victoire. Et laisse que, comme aujourd'hui, nous célébrons notre Pâque, que la victoire soit de ton côté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cependant qu'ils étaient là, on va voir Judas entrer avec les gens. Pierre, qui avait refusé de prier, il va chercher l'épée. Bien-aimé, Pierre, qui avait refusé la prière, il va prendre l'épée pour multiplier encore les infractions contre Jésus. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait prier. Souvent, les gens aiment régler les problèmes de manière mécanique. Oui, les choses mécaniques concernent les affaires de la terre. Mais les choses de Dieu, ce sont des affaires spirituelles. Ça se traite spirituellement. Que tout ce qui t'a attaqué spirituellement, qu'il soit également vaincu spirituellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils arrivent, le combat quitte le camp des pharisiens, il entre même dans le corps des apôtres. Qui amène les ennemis? C'est l'un des apôtres. C'est pourquoi vous aurez remarqué que de nos jours,
L'église est plus combattue par les chrétiens que par les païens. Vous ne trouverez jamais, et ce sont des cas rares, vous ne trouverez jamais les occultistes en train de parler à mal de l'église. Mais c'est généralement ceux qui prient, qui s'attaquent les uns aux autres. C'est Judas qui avait amené les gens pour arrêter le Seigneur. Je sais que tu es apôtre, tu es même archibishop, mais je ne sais pas quelle est ta mission. Ta mission, est-ce de gagner les brebis pour le Seigneur, ou bien ta mission, c'est de tuer les bergers? Ma sœur, mon frère, je voulais te dire que le diable le veuille ou pas, le Seigneur ne meurt jamais. Ceux qui sont en train de te combattre, ils perdent leur temps, parce que si tu persévères, la victoire sera de ton côté. Il vient, il va baiser Jésus. Le Seigneur qui connaissait tout va lui dire que Messie, fais ce que tu veux. C'est pourquoi dans ta vie, il ne faut pas toujours différer les batailles. Et accepte d'affronter les grandes batailles dans ta vie. Si tu gagnes, tu as gagné la paix. Si on te gagne, tu vas te réorganiser pour gagner par la suite. Il ne faut pas toujours différer toutes les batailles dans la vie. Il y a des choses qu'il faut par moment affronter. Alors, bien aimé, on arrête le Seigneur Jésus-Christ, on l'amène chez Pilate. Pilate, il arrive. Il trouve qu'il n'avait rien fait. Mais ses accusateurs continuent à insister qu'il avait fait quelque chose. Et Pilate va poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, est-il le roi des Juifs? Jésus va lui dire, tu l'as dit. Maintenant, pour les autres accusations, Jésus ne pipe pas mot. Donc Jésus ne dit rien. C'est pourquoi dans ta vie, si les gens t'accusent des choses que tu ne connais pas, si ton mari t'accuse des choses que tu ne connais pas, il ne faut pas beaucoup expliquer. Dis-lui que ça soit la dernière fois. Parce que mon élongé, l'angazé, 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 Donc, voilà. Jésus n'est plus pas mort. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, pour les autres trucs là, il dit bon salomo lingi. Faites tout ce que vous voulez. Et le Pilate va lui dire, mais tu n'entends pas. Il regardait. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur combattra jamais pour toi. Que le monde le veille ou pas, le Seigneur combattra pour toi jamais. Si tu échoues aujourd'hui, tu ne vas pas échouer demain. Et il faut savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener. Alors, tellement que Pilate aimait Jésus. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que le nombre de ceux qui t'aiment est plus élevé que de ceux qui ne t'aiment pas. Donc c'est pourquoi dans ta vie, je te demande à partir d'aujourd'hui d'acheter une télécommande. Alléluia. Amen. Je te donne un conseil. Dans la vie, apprends à te promener avec la télécommande. Tous ceux qui sont contre toi, apprends à les zapper. Vous me comprenez pas. Donc tous ceux qui sont contre toi, apprends à les zapper. Ne fixe ton regard que sur ceux qui sont pour toi. Et il y a des gens comme ça. Il vit dans un quartier, mais il cherche à connaître tout ce que les gens disent contre lui. Ça t'avance en quoi? Alors, Pilate, malgré tout ça, Pilate aimait Jésus. Malgré tout ce que les gens peuvent faire contre toi, malgré tout ce que les gens peuvent dire contre toi, sache qu'il y a des grands qui t'aiment. Oh.
Donc les gens peuvent tout faire. Ils ne toucheront jamais le cœur de Pilate. Malgré tout ce qui a été dit, Pilate voulait sauver Jésus. Il lui a dit, est-ce que tu ne dis pas quelque chose pour me donner? Alors Pilate ne comprenait pas que Jésus était capable de combattre pour lui-même. Jésus va entrer dans la tête de sa femme. La femme va voir Jésus dans le songe. Petit, les gens peuvent faire tout contre toi. Mais sache qu'un jour, Dieu va entrer dans le songe des gens pour leur dire que tu es son enfant. Pendant que Pilate était en train de parler, sa femme va venir. Il va lui dire, ne touche pas à ces justes. J'ai beaucoup souffert dans mon sommeil. Parce que comme c'est le jour de Pâques, que personne ne te touche, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que ne tiens pas compte de ceux qui ne t'aiment pas. Ils sont minoritaires. Ceux qui t'aiment sont majoritaires. Acclamons très fort pour eux. Donc, ne pense pas que tu te bats seul. Il y a encore des gens qui vont te défendre. Jésus-Christ croyait qu'il était seul. Mais son père faisait un grand travail dans les rêves des gens. Oh, laisse-que tel que je suis en train de parler, que le Seigneur entre dans les rêves des gens pour leur parler de toi. Et Pilate ne s'est pas arrêté là-bas. Pilate est allé lire les textes. Les textes disaient qu'à chaque fête, il fallait libérer un prisonnier. Alors Pilate cherchait tout ça pour libérer Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que malgré les problèmes, Jésus est en train de chercher comment obtenir ta libération. Tu seras libéré au nom de Jésus. Donc tout ça, Pilate cherchait comment? Comment sauver Jésus? Comment libérer Jésus? Il dit mais Pilate lui-même, il va choisir le plus mauvais prisonnier pour favoriser Jésus. À partir de ce matin, sois favorisé partout où tu seras. Reçois la faveur de Dieu. Donc tout ça, pourquoi il va prendre Barabbas? Barabbas était connu comme un malfrat. Alors pour favoriser Jésus, mon Dieu, j'ai dit que Dieu va te favoriser. Tu auras un mariage heureux. Tu seras un grand chef dans ce pays. Que les gens le veuillent ou pas, nous sommes dans une semaine de la faveur de Dieu. Cette semaine, la faveur de Dieu va vous avoir. Donc Pilate a cherché à favoriser Jésus. Tout ça, il faisait pour que les gens disent que Barabbas. Mais c'était sans compter avec la force de l'intox. Donc, vous voyez bien le système à Jésus contre Barabbas. Le système de Jésus avec Barabbas. Jésus, non, a oublié la prison. Jésus n'a même pas duré. Barabbas, Jésus pratiquait comme ça, m'a Barabbas, a joué à Bamoumi na Bango, a joué à Bana na Bango, a joué à Bilogo na Bango. Même leur bien, il avait volé. Il était connu en tant que tel. Mais l'intox est aussi fort. Hein? Ces gens-là, ils vont entrer dans la foule. Baboma Jésus. Conti Jésus. Mutumabe. C'est un mauvais. Jésus en a besoin. C'est Jésus que vous voyez. Bokani sakazaka na mwasi. Vous pensez qu'il n'a pas de femme. Pour abimaka na basi na bino. Parce qu'il sort un tox. Makamba lokuta kaka. Jésus a été tué yes, à cause de l'intox. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui font tout pour ternir ton image, pour détruire tes entreprises. Je te dis, ça n'arrivera pas. J'ai un Dieu qui est capable de détruire un temple et de le bâtir dans 3 jours. On peut tout inventer contre toi. Dieu va rebâtir ça. Hey!
Donc ne t'inquiète pas. Nous avons un Dieu architecte. Il détruit les temples et il les rebâtit dans trois jours. Tout ce qui a été détruit en toi sera rebâti aujourd'hui au nom de Jésus. La force de l'intox l'emporta. Et Pilate était découragé. Pilate avait tout fait pour sauver Jésus. Yes. C'était devenu impossible. Je voulais te dire, mon petit, qu'il y a des moments où les hommes peuvent tout faire pour te sauver. Ça devient impossible. Quelque chose va t'arriver, mais ça ne sera pas la fin du monde. On arrive rapidement, on juge Jésus. Condamné à mort, pendu sur les bois. Mais avant le soir, il y a un disciple, Joseph d'Arimathée. Il va venir réclamer le nom, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis, je sais que les sorciers t'avaient déjà transformé pour te tuer. Ce matin, il y a quelqu'un de la famille de Joseph. Mon Dieu! Il faut faire très attention avec les gens qui ont le nom de Jésus, de Joseph. Ce sont des hommes mystères. Ce sont des gens qui ont une histoire compliquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée, il veut réclamer le corps de Jésus. Je voulais dire à quelqu'un, je réclame ton corps. Je refuse avec toi. Tu ne partiras pas. Je refuse avec ton avoir. Je refuse avec tes affaires. Je refuse avec tout ce qui était précieux. Personne ne le prendra. Je suis de la famille de Joseph d'Arimathée. Je réclame. Joseph d'Arimathée, réclamant le corps de Jésus, il va dire que mon Seigneur ne va pas subir une telle honte. Je suis en train de te dire que ce matin de Pâques, Jésus réclame ton corps, Jésus réclame ton être, il réclame ton avoir. Personne ne te fera du mal. Il est en train de te réclamer. C'est pourquoi les anges, lorsque le diable avait pris le corps de Moïse, le Seigneur envoyait les anges pour réclamer le corps. Je te réclame. Tu ne partiras pas. Et vous savez pourquoi Joseph d'Arimathée avait réclamé le corps de Jésus? Non seulement que c'était un disciple du soir, mais c'était un homme influent de la cité pour réclamer le corps de Jésus, pour réclamer le corps, les biens des membres de l'église. Il faut être un Joseph, c'est-à-dire un homme influent. Je vous avais dit, lorsque nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit rend les gens influents. Lorsque la puissance de Jésus réclame tout ce qui t'a été pris par les hommes, par les diables, que cela soit réclamé. Il va prendre le corps. Il va trouver un sépulcre neuf où on n'avait jamais enterré quelqu'un. C'était pour honorer le Seigneur des anges. On va prendre le corps de Jésus. On va le mettre dans le sépulcre. C'était la fin. Les gens pensaient peut-être que le miracle était encore possible. On va prendre une pierre lourde. On va fermer. C'était pour dire que c'est terminé. C'est fini. On n'entendra plus parler de Jésus. Non, ma sœur. Il y a des gens qui veulent qu'on ne parle plus de toi. Mais si tu es de la race de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es de la race de Jésus, la pierre sera déroulée. Tu vas sortir de là où on t'a mis. Dans ce monde, il y a des choses qui échappent au contrôle des hommes. Et laisse tel que je parle maintenant, que tu échappes au contrôle des hommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. On met Jésus dans le tombeau.
Quand on apporte la pierre, les pharisiens entrent, ils se disent, c'est fini. Non, faites attention avec des gens qui ont des promesses. Quand vous les enterrez avant, on viendra les chercher. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de venir te chercher là où on t'avait mis, là où on a enterré ton travail, là où on a enterré ton bonheur, là où on a enterré ton bonheur. Je demande au Seigneur de venir te chercher. Alors, on met une pierre lourde. Pourquoi on avait mis cette pierre-là? Quelqu'un qui est déjà mort. Ils prennent toutes les précautions pour qu'il n'y ait rien. Donc on met une pierre lourde parce qu'on savait que de là, il ne pouvait plus bouger pour pousser la pierre. Mais regardez leur méchanceté. Ils sont encore allés voir les autorités pour leur dire, pour dire à Pilate. Il dit que nous savons que cet imposteur, cet imposteur, donc celui dont on appelle imposteur là, c'est Jésus. Donc dans la vie, sache qu'un jour tu vas trouver quelqu'un très mal élevé par ses parents. Les parents, ses parents, eux-mêmes, très mal élevés, il va t'insulter. Ne te fâche pas pour ça. Prends les fais le constat de la mauvaise éducation et traduis-les devant les juges. Donc ces gens-là, ils vont, ils parlent de Jésus. Ils disent que nous savons que cet imposteur, quand il était vivant, il avait dit qu'il allait ressusciter trois jours après. Donc tout ça, ce sont des précautions qu'ils prenaient pour empêcher la résurrection de Jésus. Non, le Jésus dont je vous prêche, il est sempiternel. Alléluia. Amen. Sempiternel. C'est immortel. Donc c'est comme le dessin animé. Ce qu'on met le dessin animé m'assassine. Akufakate. Jésus, au tient le poison. Au tient le mandouki. Au tient le macette. Akufakate. Akufapete. Parce qu'il y a Zalé Bandelipe. Pesuka. Ce qu'on bomie na suka, on recoute na ebandeli. On bomie na ebandeli, on recoute na suka. Na zoe bise tenene na zolo bao. Parce que je pose un bandeli, personne n'a rien à on va te retrouver à la fin. Alléluia. Amen. Alors, Wana, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des précautions pour te faire du mal. Amen, amen, amen. Amen. Ils prennent toutes les précautions. Mais si Jésus n'a pas encore dit oui, rien n'arrivait. Il est le maître des horloges et des événements. Quand il n'a pas encore dit oui, rien n'est arrivé. Alors ils sont allés voir Pilate. Ils demandaient la garde. Ils ont dit que nous voulons laisser la garde parce que ses disciples viendront voler le corps. On va dire qu'il est ressuscité. Je voulais te dire que le nombre de tes ennemis augmente parce qu'ils doivent assister à ta résurrection. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont assister à ta résurrection. Ils vont rendre témoignage. On va prendre la garde. On l'avait déployé devant le tombeau de Jésus. Répétons ensemble, c'est sempiternel. Répétons ensemble, c'est sempiternel. Mais vous amenez dans un tombeau celui qui a le vaccin contre la mort. Vous êtes en train de perdre votre temps. Même dans le tombeau, il n'est pas mort, il est vivant. La Bible dit que pendant qu'on l'avait mis dans le tombeau, il était parti enseigner les esprits enchaînés qui n'avaient pas encore écouté la parole. Et il célébrait sa mort. Mais lui, il était parti évangéliser.
Acclamons très fort pour le roi. Laisse encore que le nombre de tes ennemis augmente. Ils vont assister à ta résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande encore que le nombre de tes ennemis augmente davantage. Ils vont vivre ta résurrection. Vous savez, Dieu ne voulait pas que la nouvelle de sa résurrection soit racontée par ses disciples. On allait dire que ce sont des fanatiques. Il avait voulu que ses propres ennemis constatent la résurrection et en parlent. Je te dis, tes ennemis vont voir ta résurrection. Alléluia. On amena la garde pour dire que c'était fini. Et pendant ce temps-là, Pierre était déjà parti, découragé. Vous savez, ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Il y a des moments où rien ne vous réussit. Vous croyez que Dieu a quitté votre vie? Non. Il ne nous quitte jamais. Mais il a sa méthode et son ordo. Donc il fait des choses à sa manière. Toi tu peux croire qu'il t'a fait du mal, mais il t'a fait du bien. Il est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Alors Pierre, très découragé, il était rentré. Au niveau de leur quartier, il ne pouvait rien dire. Les gens qui voyaient Pierre passer, ils faisaient comme ça. Parlez encore. Je sais ce que c'est que tu traverses. Quand tu es accablé, quand tu es dominé par les problèmes, les gens commencent à se moquer de toi. Ils te disent où est ton Dieu. Il faut leur dire, il n'est pas mort, mais il est dans le tombeau. Il viendra un jour. Alors ce que j'aime dans cette affaire, c'est pourquoi, qu'on le veuille ou pas, il y a une complicité entre la femme et Dieu. Je prie, mais je n'ai toujours pas eu de révélation. Je voulais savoir qu'est-ce que Dieu se disait avec la femme quand Adam dormait. Comment, dans un mariage, si la femme indispose son mari, la Bible ne dit rien. Mais pour la femme, la Bible dit que Marie, dans vos relations avec vos femmes, ayez beaucoup de sagesse, sachant que vous avez affaire aux êtres faibles. Nous avons besoin côté la moisi. Donc dans la Bible, Dieu est en train de protéger la femme. Donc Dieu protège la femme. Il dit que sachez que vous avez des êtres faibles. Si tu as des problèmes avec ta femme, ta raison peut devenir un tort. Parce que tu es devant un être faible. C'est pourquoi en Europe, si vous frappez sur votre femme, on vous chasse de votre maison. On vous chasse et on vous dit ceci: organisez-vous dans votre vie pour que vous ne pouvez jamais rencontrer votre femme à une distance, par exemple, de 5 mètres carrés. Donc dès que tu la vois, il faut changer cela. C'est toi-même qui vas changer d'itinéraire. Et la manière dont choisir. Nous avons autre chose à décision. Tu as pris une décision pour nous. Alors bien te bat démon à diable. Va pour ça na katé pembe inayo. À la dimension de 5 mètres carrés. Sauf ba monio. Dès qu'il te voit. Ba les gars que nous allons changer d'itinéraire. Si que tu n'es pas dans le bas. Maladie. Il a quel mabé. Papa si. Le bitumba. Le combat. Et tikayo. Et que nous allons aille ailleurs. Le Seigneur protège la femme. Donc, moi, c'est celle ma bé. La femme, nous avons il faut comprendre.
une faute. À l'ami foufou mabé, il faut la comprendre. On comprendre. Même s'il a mal préparé les foufou, il faut la comprendre. Alléluia. Amen. Nazoub Sebino qui pas qu'Alélo. Dit la Pâque d'aujourd'hui. Et sa Pâque à compréhension. C'est une Pâque de compréhension. N'ayez pas zoté à. Manière dont je suis en train de prêcher. N'allez nous amba comprendre bino. Nous amba comprendre bino. Donc à comprendre bah passe nabino. À comprendre bah minyo konabino. À comprendre bah prière nabino. Comprendre même vos prières. Et ça ne s'arrête pas là. Et ce qui en a kakate. La Bible dit que qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Un homme qui a des problèmes avec sa femme. Le sambone comme je pense. Sa prière n'arrive même pas chez Dieu. J'ai rencontré un pasteur. Qui me disait ceci, pasteur. On compte pour rien. Ma petite maman m'a frappé ma femme et puis j'ai prêché avec courage. Qu'est-ce que tu as dit que tu as prêché avec courage? Parce que tu avais transpiré? Non, ce n'est pas ça. Yangote. Dieu protège la femme. Dieu protège l'église. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu nous protège. Zamba batte la biso. Et les femmes vont se réveiller très tôt. Pendant ce temps, Pierre dormait. Les femmes vont se réveiller. Elles vont acheter des aromates. C'était le troisième jour. Depuis l'enterrement du Seigneur Jésus-Christ. Elle partait là-bas parce qu'elle ne voulait pas que le corps du Seigneur puisse donner de mauvaises odeurs. Il savait que Joseph d'Arimathée avait déjà fait sa part. Mais il fallait continuer à entretenir le corps du Seigneur. C'est pourquoi quand tu es à l'église, apporte des aromates pour entretenir le corps du Seigneur. Il faut beaucoup prier pour l'église. Il faut beaucoup jeûner pour l'église pour entretenir l'odeur. Ces femmes vinrent un soir. Et c'est ce jour-là que nous célébrons aujourd'hui. En pleine route, elles étaient inquiètes. Elles se disaient, qui va nous aider à enlever la pierre? Quel amour, frère, quelqu'un qui est déjà mort, on l'aimait toujours. Quel amour! C'est vrai, nous dans notre église, il n'y a pas de femmes pasteurs. Nous ne nous, nous recueillons pas au ministère de la femme. Mais je sais que dans l'église, la femme a beaucoup de choses à faire. Elle peut avoir les dons de prophétie, les dons de guérison. Elle peut avoir les dons de miracles. Et je vous dis que généralement, les gens qui, même à l'église, les gens qui donnent l'argent à l'église, souvent ce sont des femmes. Les papas beaucoup d'argent. Quand on dit qu'ils peuvent donner 1000, la femme se met debout. Les papas, on va descendre jusqu'à 10 dollars. Et il n'a pas honte. Il vient. Et après qu'il dit. Il dit à sa femme, c'est moi qui cherche de l'argent. J'ai donné 10 dollars. Toi, tu as donné 1000. Tu verras, tu vas me sentir à la maison. Il semble que la femme lui a dit, il dit il ne faut pas te jouer de moi. C'est toi qui me dis. Fais en sorte que tu puisses encore. Laisse que ce matin, que toute personne qui donne de l'argent, que Dieu l'ajoute encore. Bien-aimé, quand les femmes arrivent, il va se passer quelque chose. Et là, je voudrais qu'on nous lise. Matthieu 28, suivez ça. C'est très intéressant. Matthieu 28, 1 à 3. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie. Donc, à l'aube. Très tôt, ces femmes sont allées déjà chercher Jésus. Quand tu te réveilles dans ta vie, la première personne à qui il faut parler, c'est Dieu. Moussou Soazali à l'amouki.
Non, merci à tant Zambé, merci. Il n'a même pas dit merci à Dieu. WhatsApp, Facebook. Directement sur WhatsApp et Facebook. Qu'est-ce que tu cherches dans ce truc-là? Net mo kwa vandaki lobi o ba lobi gouvernement zo bi mande. Quelqu'un qui m'a dit qu'il est gouvernement sort aujourd'hui. Na lobi binon. Je lui dis mais toi. Comment on a eu que Ndekuna te? Ton nom n'est même pas sur la liste. Okolandango okenango. Tu vas t'intéresser à ça pourquoi? Soko ebimi eko komela yo. Même si le gouvernement publie. On est en Hollande là, soki comment on a eu que Ndeki? Siko net na boy comment on a eu Kunate? Na Hollande là pourquoi ni? Pourquoi j'aime me préoccuper de ça? Les gens manquent à faire. Quand tu te réveilles, la première personne à qui il faut parler, les femmes se réveillent. Très tôt. Akabundu bundu akabita la tala. Donc, je te dis très tôt. Quand tu te réveilles, le premier interlocuteur, c'est Dieu. Quand tu te réveilles, dis d'abord merci Seigneur. Le téléphone là, qu'est-ce que tu sais? Le téléphone aux autres canines. Quand on a joué, on la peine la présidence. Tu ne travailles même pas. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Même si tu travaillais à la présidence, quand tu te réveilles, la première personne à qui tu dois parler, c'est d'abord Dieu. Et ça, nous sommes. Continue. Kobalitang. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Continue encore, les gardes maintenant. Les gardes tremblèrent de peur et d'un vert comme mort. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Je te dis ceci. Ata bachelo ba esprit à contrôle. Même si on a ndenge na ndenge. Esprit de contrôle de toutes sortes. Nazo ebisayo. Je te dis ceci. Lokola Yesu asekwi. Comme Jésus ressuscité. Yo peut qu'on sait quoi. Aussi tu ressusciteras aussi de la même manière. On nous parle ici comment les femmes ont constaté la résurrection du Seigneur. On dit que des bonheurs. Elles étaient déjà là. Elles étaient inquiètes. Donc il y a plusieurs versions dans les évangiles par rapport à la réaction. Il y a la version qui dit que elles ont trouvé le tombeau déjà vide. Il y a la version qui dit que les choses se sont passées devant elles. C'est ce que nous venons de lire. Donc, Luc et Matthieu ne se contredisent pas. Ils disent la même chose parce qu'ils savent qu'ils se complètent. Ces choses se sont passées devant les femmes. Les inquiétudes des femmes ont appelé l'ange. Laisse que tes prières appellent les anges. Elle se disait, qu'est-ce que nous devons faire? Je sais que tu as des problèmes difficiles. Tu ne sais plus quoi faire. Je te dis, qu'un ange descendra. Un ange descendra. Quel que soit ton problème, un ange descendra. Acclamons très fort. Ce sont les inquiétudes de la femme qui ont fait descendre l'ange. Les inquiétudes, la Bible dit que ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu pries, le Seigneur fera descendre un ange. Laisse que tel que je suis en train de parler, que le Seigneur t'envoie l'ange de guérison, qui t'envoie l'ange de patronat, qui t'envoie l'ange de pouvoir. Quand les femmes arrivent, elles étaient encore à distance. Et ce que j'aime, les femmes, les femmes sont très fortes. Je crois que quand j'ai prêché ici, mardi, c'était mercredi, j'ai parlé de la force de la femme. Oui, ngana kamonga ba soda. Moi je m'étonne de soda comme on a soki yo comme na couvre na barrière na couvre feu yo mobile. Barrière du couvre feu. Eh, c'est quoi? On te montre l'heure.
Mais à mon agaga ba maman ou yakabelo. Dès que maman a quitté la vie, dès que la maman fait des choses, il dit salut, le chef. Soda bando seka. Les soldats, c'est gaga pas en bataille. Donc c'est la force de la femme. Ma coquille m'a cassé moi aussi. Ces femmes sont arrivées. Je comprends pourquoi Pierre avait fui. Pierre était déjà menacé lors du jugement. Il était déjà menacé. Donc, il a... Bon comprendre Pierre, papa. Pierre déjà va menacer qui est. Jour Bazo Sam. 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 Jour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur ne refuse rien à son église. L'église, c'est la femme de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que si deux ou trois se mettent ensemble pour demander quelque chose, cela leur sera donné. Donc il y a des choses, quand vous les demandez seul, ça ne vient pas. Mais ensemble. Ah, laisse que cette Pâque soit la Pâque de l'unité de l'Église au Congo. Que cette Pâque soit la Pâque de l'intégrité du territoire national. Que ceux qui tuent à Beni rencontrent les anges sur leur parcours. Quand les femmes arrivent, il y a un combo Marie de Magdala. Même les soldats, même le soldat les connaissait très bien. C'est Rwana, banane Rwana Baye. Cassero Baye Magawana. Marie de Magdala. C'est Marie de Magdala. Donc soldat, même les soldats, a commis distrait. Il était devenu trop distrait. Liboso à moi si devant une femme. Il est bas que l'église. Est-ce que l'église? Aza moi si en zambe. Si qu'a été place non sur Goleka. Est-ce que bas démon bas à la distrait. Que les démons soient distraits. Bas l'onze là où les. Je te laisse le passage. Au combat et pas Jésus à Zali. Au côté en accord na destinée peine à bas objectif na yon nyon. Dans la destinée. C'est quand les femmes arrivent qu'il va se passer quelque chose. C'est que nous célébrons aujourd'hui la direction du Seigneur. La première des choses, c'était le tremblement de la terre. On avait enterré un semi-éternel. Celui-là, on ne l'enterre pas. Celui qui secouait la terre. Reste tel que je suis en train de parler maintenant. Là où on t'avait mis, s'il y avait la terre là-bas, que la terre tremble maintenant. Que la terre tremble maintenant. Si on t'avait mis au ciel, que les nuages tremblent et te lâchent au nom de Jésus. Si tes bénédictions sont bloquées par les nuages, qu'il y ait tremblement des nuages qui laissent de l'espace et que ta bénédiction descende au nom du Seigneur Jésus-Christ. Directement, quand le tremblement commence, les soldats, eux aussi, ils étaient en train de trembler. Pendant qu'ils tremblaient, armes, munitions tremblaient également. Et vous ne me comprenez pas bien. Donc quand il y a tremblement de la terre, l'arme tremble aussi. Est-ce que toutes les armes que le diable avait mis tout autour de toi, grâce au tremblement de la terre, que ces armes aillent très loin et te laissent libre au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que les gardes eurent peur et devinrent comme morts. Ah, laisse que tous ceux qui te combattent aient peur de toi maintenant, qu'ils deviennent comme morts, que ta vie devienne apaisée, que tous qui te combattent se retrouvent dans la situation de ces gardes, qu'ils ne contrôlent rien. Même si on t'avait amené en Inde, que la magie de l'Inde ne puisse plus te contrôler. Parce qu'il y a un ange qui est descendu du ciel. Il a fait trembler la terre. Acclamons très fort pour le roi. Alors, quand il y a ce tremblement de la terre, l'ange descend. Moi, j'ai quitté.
L'ange lui-même. C'est pourquoi je vous dis que Nalola, au ciel, les anges sont de plusieurs manières. Les anges. Net ba Gabriel ou ba yakotika mikanda bazali. Mais Nalola, au ciel. Tous appel na ba ange ya pomba. Les anges qui sont très forts. Ba ange ya maboko minene. Les anges qui sont très forts. Tika témoins ya maboko minene. Les anges forts. Akita na kati na famille na yo. Place nos ba chakili banga munene. Atombola ngwa fongole lozela. La pierre était laissée les passages. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ange va récupérer la pierre. Il va s'asseoir dessus pour ouvrir la voie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il sortit enterré victorieux. Il sortit victorieux. Comme à sa naissance, il était né miraculeusement et il est sorti de la mort miraculeusement. C'est grâce à sa résurrection que l'Église est aujourd'hui grâce à cette résurrection-là, je vous dis que tout ce qui était mort dans votre vie va ressusciter avec Jésus. S'il y avait vos affaires qui étaient mortes, vos entreprises, votre mariage, que cela ressuscite maintenant, parce que l'ange a enlevé la pierre. Tout ce qui était dans les tombeaux doit sortir maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand il voit tout ça, l'ange ne s'adresse pas aux gardes. L'ange veut parler à la femme. Vous dites, mais pourquoi vous venez chercher celui qui est vivant parmi les morts? Je voulais dire à quelqu'un, je sais qu'il y a plusieurs dieux maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs dieux. Moïse était Dieu pour Aaron. Il y a les dieux de ce siècle qu'on appelle les diables. J'entends même dire qu'il y a un dieu de noir. Mais tous ces dieux-là, leurs tombeaux sont identifiés. Leurs tombeaux sont identifiés. Ceux qui ne sont pas encore morts, nous identifierons leurs tombeaux. Mais nous, nous avons un Dieu qui est la seule personne qui a fait l'expérience de la mort. Il était tué. Il était enterré. Mais il est ressuscité. Cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Quand il est en toi, il devient semi-éternel comme lui. Les gens peuvent chercher à te tuer, ils ne t'auront jamais. Les gens peuvent chercher à te faire du mal, ils ne t'auront jamais. Et même les jours, ils vont réussir à détruire quelque chose dans ta vie. Il a la capacité de la ressusciter. Laisse que tout ce qui était mort dans cette église ressuscite maintenant. Ceux qui étaient morts dans ta maison ressuscite. Ceux qui étaient morts dans ton bureau, dans tes activités, dans tes projets, que tout ressuscite pour la gloire du Seigneur. Nous célébrons la résurrection de Jésus. C'est la Pâque. Quand Jésus ressuscite, il ne ressuscite pas seul. La Bible déclare que les jours de sa résurrection, tous les saints qui étaient morts ressusciter avec eux. Ah, laisse que parmi nous, c'est dans les activités de mort que les activités ressuscitent avec la résurrection du Seigneur. Que les études ressuscitent, que les mariages ressuscitent, que la gloire ressuscite, que le bonheur ressuscite, que la paix ressuscite, que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant pour la gloire du Seigneur. Nous avons un seul Dieu, c'est le seul. C'est le sel. C'est le sel. C'est le sel. C'est le sel qui était tué. Et il est attesté. Il est attesté qui n'est plus dans les tombeaux. On peut retrouver. On peut trouver les traces des tombeaux d'Abraham et qu'on sort. Mais quand vous allez là où on avait entré le Jésus, il n'y a rien. Parce qu'il est ressuscité. Il est allé ressusciter. Le tombeau est resté vide. Maintenant, ton rédempteur, il ne meurt jamais. Il est toujours à tes côtés. Il va combattre pour toi à jamais. Et aucun malheur ne t'arrivera. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus.
Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Le roi. Oh, 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 le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Je te donne de l'espoir ce matin. Je te donne de l'espoir ce matin. Nous étions sans force. On avait tué notre Dieu. Mais tel que nous parlons maintenant, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. N'ayez plus peur. C'est ton avocat. C'est ton médecin. C'est ton patron. C'est ton protecteur. Comme il est ressuscité, ce qu'il faisait quand il était en vie, tu vas le vivre pour la gloire de Dieu. Et laisse qu'en ce dimanche de Pâques, que tous les miracles que Jésus avait accomplis quand il était vivant s'accomplissent dans cette église. S'il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui entrent dans leur maison, qu'il multiplie les pains. S'il y a des malades, que le Seigneur entre dans leur maison, qu'il les guérisse. S'il y en a des qui n'ont pas l'argent, que le Seigneur envoie un poisson et que les poissons vomissent l'argent dans vos maisons. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, que personne ne te trompe, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. C'est le seul qui était mort. Il est ressuscité. Si tu ne peux pas comprendre, regardez un grand monde comme ça, habité par au moins 7 milliards de personnes. Nous mangeons chaque jour. Le repas ne se termine pas. Il continue la multiplication. Et laisse que quand nous sommes le jour de Pâques, qu'il entre dans ta vie, qu'il multiplie les biens. J'ai dit qu'il multiplie les biens, qu'il enlève le mal, qu'il entre dans notre église, qu'il multiplie les biens, qu'il enlève le mal, qu'il entre dans ta maison, qu'il multiplie les biens. Et quand il va sortir, oh mon Dieu, le temps. Quand il va sortir, il va commencer les apparitions. Alléluia. Amen. Il ne va pas rester ici. Tu le verras chez toi. Tu le verras dans ton bureau. Tu le verras au marché. Partout où tu passeras, tu verras Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons, c'est la résurrection de Jésus. Quand les femmes quittent le tombeau, elles vont voir Pierre. Quand Pierre apprend que le maître est ressuscité, il courit, il arrive là-bas, il ne voit pas. Mais l'ange avait dit qu'il vous a déjà précédé à Galilée. Donc quand il ressuscite, vous allez le voir. Quand Dieu ressuscite dans une église, les gens le voient dans leur vie. C'est ainsi qu'il va rejoindre les disciples qui étaient sur le chemin de Maus. J'ai dit qu'en ce dimanche de Pâques, que le Seigneur te rejoigne dans ta maison, qu'il marche avec toi. Je suis navré, donc le temps c'est le temps. Avant l'heure ce n'est pas le temps. Après l'heure ce n'est plus le temps. Ce que je n'ai pas dit, que le Saint-Esprit me complète. Le Saint-Péternel, c'est Dieu immortel. Il ne mourra jamais. C'est pourquoi il a fait de nous ses enfants pour que nous vivions éternellement. Il viendra enlever l'église un jour. Il nous amènera au ciel. Mais avant cet enlèvement, il sera avec nous sur le chemin de Maus. Il sera avec nous sur le chemin de l'école. Il sera avec nous sur le chemin du marché. Il sera avec nous sur le chemin du travail. Il sera avec nous partout. Je crois qu'il est temps. Je ne saurais pas abuser de votre patience. Je préfère m'arrêter là.
Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Je finis tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa. Qu'il bénisse les serviteurs et ses servants. Qu'il bénisse le chantre, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Qu'il bénisse tous ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Na katia lupango.